quand j'entends nos gouvernements, je le vois en France, je le vois ici aussi, en France, c'est arrivé, ça vient d'arriver, c'est-à-dire remettez le masque dans les transports en commun. Puis quand vous allez vous voir à l'OL, vous pourriez peut-être mettre le masque dans vos réunions de famille. C'est ça. Non, je suis désolé, c'est à ce moment-là, que je suis de ceux qui disent, je ne retourne pas dans cette logique. Il n'y a rien de plus durable que le momentané sanitaire. Donc, quand Gaétan nous dit 2 semaines ou 3, moi, je m'attends à ce que ça devienne 2 mois ou 3 très rapidement. Ah, paranoïa, c'est pour ça. Paranoïa. Non, non. Est-ce qu'on peut faire entrer dans la culture populaire des Québécoises et des Québécois le principe qu'à partir de maintenant, à cause d'un nouveau virus, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y ait une courte période annuelle où on le porte? Non. Ben, je t'entends. Non, la question est correctement posée. Et ma réponse, c'est comme ma réponse faut le formuler. C'est que je vais travailler très fort pour que ça n'arrive pas. Alors, mais tu vas travailler très fort, non pas sur des bases de médecine, mais des bases de paranoïa. OK, mais Gaétan, est-ce qu'on convient que pendant la COVID, là, c'est pas de la paranoïa, là, c'est des faits, hein, des faits historiques. Les 28 jours sont rapidement devenus autre chose. Ensuite, que la petite période qu'on rajoute, c'était le défi des 30 jours, je pense, le défi des je sais pas combien de jours. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on constate qu'à partir de là, on accorde cette autorisation temporaire, hein, eh bien, elle devient durable. Bon. Et si on refuse cette logique-là, est-ce qu'on peut se dire que notre système de santé doit s'adapter? Est-ce que des catégories très spécifiques de la population doivent se masquer? S'il le faut, est-ce qu'on doit faire de ça un principe non seulement de santé publique, mais je t'entends, c'est presque un principe de morale civique à t'entendre. Hein? Un bon citoyen est un citoyen masqué, et bien je serai citoyen mauvais et je te sourirai de mes dents.